Salut à tous, c'est Dr Kiwi et on se retrouve sur Techie Thailand pour terminer ce qu'on avait fait. Alors j'ai créé une tour exprès pour ça, avant il n'y avait rien du tout, c'était à même le plafond, à même le toit plutôt, les deux de toute façon, ça restera à même le plafond pour en dessous, hein. Ce sera beaucoup plus simple d'utilisation. Et là, tout ce que vous voyez qui est en terre, il faudra qu'on rajoute un relais comme ça, voilà. C'est tout simple, hein. On va pas faire ça dans cet épisode parce qu'il faudrait des milliards de diamants et c'est impossible. Donc je vais rajouter les deux qui manquent, qui sont ici. Et je vais vous montrer aussi combien, combien on a eu de diamants. Oh, je me casse tous les tibias. Combien on a eu de diamants en plus? Voilà, 14 diamants en plus. Donc c'est très bien, je vais les garder avec moi. Salut. Salut. Alors comment ça va, Basile? Ça va. Tiens, enlève ton armure pour montrer à quoi tu ressembles là. Quand Basile enlève son armure Dead Space, il a son nouveau skin. Ah, voilà. Ah, c'est beaucoup plus classe, là. Je ne sais pas vraiment ce que tu aimes, mais tu l'es. Et tu l'es bien. Bon, bah, tu viens, Basile. Pendant cet épisode, on va... Alors, je leur ai expliqué, on va faire les relais. Mais on va aussi faire de la matière noire pour ton armure, tu sais. Parce que tu vas pas rester en bronze toute ta vie. Et il va te falloir, toi aussi, des armures super cheatées. Donc moi, je reste dans le technologique avec l'armure nano que j'ai sur moi et l'armure quantum aussi. Et toi, bah, tu auras la matière noire, ensuite la matière rouge et puis l'armure de gemme si on peut, quoi. Voilà. Mmh. Aussi con que ça. Donc il va nous falloir beaucoup de charbon. Je crois que tu as miné et que tu en avais trouvé un bon paquet. Ah ouais, beaucoup. Donc, je vais les garder sur moi. Voilà. Et ensuite de quoi? Je vais aller poser les relais en haut. Et quant à toi, je vais te montrer très exactement quoi faire. Alors, il faudrait que je fasse ça. D'abord, il faudrait 4 poudres de redstone et 4 poudres de glowstone. À moins que j'ai déjà une pierre philosophale. Okay. Oui, j'en ai une. Bah, c'est bon. T'es sauvé, Basile. Tu es sauvé. Tiens. La pierre philosophale. Bah merde, on a foutu tout le bordel là-dedans, mais on n'avait pas activé. Mais c'est normal, faut pas l'activer. Tu l'as pas activé. Si, si. Allez, éteins-le, éteins-le. Parce qu'il bug. Voilà. Donc, tout simplement, je vais te filer le charbon. Alors attends, je regarde si ça l'a... C'est en train de le macérer, là. Tu veux que je te fasse des matières noires? Ouais. Mais au moins une. Après, on la dupliquera. Mais c'est histoire d'avoir... Une matière noire, quoi, c'est quand même déjà assez cher. Je vais te filer tout le charbon. Alors, comme ça, ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Et tout simplement, je vais te montrer sur la table comment faire. Non, mais je sais comment faire, c'est bon. Ah, tu sais comment faire? Ouais, la pierre philosophale et puis le charbon en forme d'éclair. Ouais. Ok, bah, je te laisse faire. Attends, je vais faire mes relais déjà. T'as qu'à le faire dans ta chambre. Ouais. Voilà. Deux blocs de diamants. C'est combien pour un bloc de diamants? 9? Ouais. Ah, dommage. On va... bah si, je peux le faire. Hein. Voilà. Comme ça. Le bloc de diamants au milieu. Les fours en bas, je crois. Voilà. Déjà, on en a deux. Et ensuite, relais. Voilà. Et il va nous falloir un bloc en diamant. On va faire juste là. Hop. Voilà. Parfait. Comme ça, on aura une fleur de pouvoir, comme ils disent les Anglais. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça en français. J'en sais rien, une fleur magique. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, on pourra avoir cette sorte de fleur magique beaucoup plus. Enfin, elle sera plus développée, quoi. Ce sera beaucoup plus simple. Hop. Je vais prendre des ressources, tiens, à cramer. Parce que, comme la dernière fois, on avait miné des tonnes de trucs qui servent à rien. Ah, t'avais retrouvé un donjon. Ouais. T'avais trouvé quoi dans le donjon? Oh, deux selles. Ah, c'est bien ça. Ça, on va pouvoir monter sur des cochons. Ça sert absolument à rien. Voilà, on va prendre ça. Ah, mais c'est... Voilà.
De l'étain, encore plus d'étain, du cuivre, encore plus de cuivre, de l'argent, du fer. Ah, le fer, je vais le garder par contre. Et je vais laisser ça, comme ça. Et voilà, j'ai plus qu'à ranger. Ah, et comme ça aussi. Comme ça, on va peut-être pouvoir se créer notre dernier... notre relais. Voilà, on va monter par là. Ah oui, mais maintenant je ne peux plus rentrer à l'intérieur de la tour. C'est ça que je suis en train de me dire. C'est, je sais pas comment je fais. Comment je vais faire ça, moi. Je vais casser la terre et puis je vais essayer de les placer. Voilà. Je vais casser toute la terre, comme ça ce sera fait. Tu t'en sors toi, Basile, avec le charbon. Donc pour ceux qui savent pas, Basile est en train de créer du charbon alchimique. Donc il prend du charbon, il prend la pierre philosophale et il crée du charbon alchimique. Alors voilà, il fait comme ça. Charbon alchimique. Donc tu peux tout mettre en charbon alchimique, hein, Basile. Voilà, et ensuite avec le charbon alchimique, il refait le même procédé. Et hop, il a du... Mobius Fuel, de l'essence de Mobius, je sais pas comment, voilà, et de l'essence éternelle juste là, et c'est justement ça qu'il nous faut. Et une fois qu'on en a 8 avec un bloc de diamant autour, au milieu, on a une matière noire. Il manquerait du charbon en fait. Il va te falloir plus de charbon. Ah ouais, beaucoup plus, genre le double, le triple que j'avais en fait. Ah zut, bah je sais pas vraiment. T'aurais pas une pioche par hasard sur toi? Non. Non. Bah écoute, je vais me suicider par là. Voilà. Ah. Je vais aller chercher un jetpack parce que c'est énervant de me balader sans pouvoir voler. Là, voilà. Et je vais prendre aussi la pioche. Voilà. Hop. Par contre, faut fermer les portes. Bon, même si les araignées peuvent pas passer. Il vaut mieux fermer les portes pour les zombies et les squelettes surtout. Surtout les creepers en fait. Surtout les creepers, le jour surtout. Les creepers sont très énervants le jour. Voilà. Bon, alors... voilà. Parce que j'ai pas créé de porte, j'ai été idiot. J'aurais dû créer une porte en fait. Au lieu de créer une échelle, tu vois. Parce que l'échelle c'est bien beau mais ça sert absolument à rien. Oups, il y a eu un lag là, non? Ça s'est remis. T'as pas lagué? Non. Bon, bah le mur s'est remis tout seul. De toute façon, c'est mieux de passer par là en fait. Je vais poser le relais là. Voilà. Voilà. Bon, le soleil passe hein, de toute façon à travers les vitres. Par contre, ce que j'aimerais bien mettre, c'est ça d'avance. Hop. Voilà, ne mets rien dedans hein, non, non, pour l'instant, parce qu'il va falloir que je crée plus de diamants. Donc, tac, 6, 7, normalement. Il faut que je vois la vitesse de ce truc. 4 ah ouais, quand même. Et 5, d'accord, tac. Ça fait 9, c'est bon, j'ai un bloc, donc je peux faire le relais qui manque. Je te laisse mettre du... comment? Du charbon. Si ouais, tu mais as besoin plus, de... J'ai plus de charbon. Ah oui, oui, c'est vrai, je dois aller chercher. T'en reste un, non? Mets du... carrément du... De l'essence éternelle. Ah oui. T'embêtes pas, tu mets l'essence éternelle, il met directement dedans. Mais t'as du bol que j'en ai un. Voilà, tu mets une essence éternelle là-dedans. Et normalement, ça va le fabriquer tout seul. Tu l'as mis dans le coffre? Attends, ah oui, non, t'es à côté, là. Je suis descendu, je suis pas... Je l'ai l'essence éternelle. Je vais la mettre dedans. Oh, très joli en plus. Voilà. Oh, ça va assez vite en fait. L'or, ça va être bien. Oh, c'est génial. 5, 6, 7, 8, 9. Oula, ça y est. On en a 13. 13. C'est très bien. Donc je vais tout de suite créer
T'as qu'à mettre du diamant maintenant à la place, à l'intérieur. Alors attends. Attends, je vais faire ça et ça. Et je vais remettre le diamant ici. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Et après, il nous faudra un bloc de diamant. Voilà. Donc si t'as de quoi créer un neuvième diamant, à moins qu'il y en ait un en bas déjà dans le T'as coffre. gardé une essence éternelle. Attends, attends. Ouais, j'en... Ah merde, ouais, non. J'en ai pas gardé une. Eh oui, eh oui. Il y a déjà un diamant dans le coffre en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que... Je vais prendre ça. Je vais en créer Fallait une. qu'on en garde une, oui. Ouais, t'inquiète pas, je vais en garder une. Enfin, j'arrive. Hop. Je reprends ça. Je mets une essence éternelle là-dedans. Je Ah, rajoute mais tout t'en avais ça. gardé une. Non, 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 j'en avais 8. Oh, d'accord. Voilà. Et là, maintenant, j'en ai 8 plus, plus 2. Ce qui ne sert à rien. Voilà, je vais consommer celle-là. Ah, bah, c'est bon. Bah, 9. J'ai de quoi faire un deuxième bloc. Hein. Donc, c'est bon. Eh ben, je vais de ce pas créer un deuxième bloc. Hop. Mais tout d'abord, créons notre matière noire. Si c'est bien comme ça, normalement. Avec un bloc de diamant que j'ai Ouais. pas fait et que je vais devoir faire à côté. Voilà. De toute façon, j'en ai besoin de 2, donc c'est parfait. Voilà. Et voilà, notre première matière noire qui coûte 139 264. Raquette. C'est le nombre de terres que vaut cette matière noire. On peut en créer avec de la terre, mais ça mettrait beaucoup trop de temps, je trouve. Et puis, il faudrait détruire l'île entière, je pense. 132 000, un truc comme ça. Ouais, 140 000. Il faudrait carrément tout détruire. Ça nous fait notre première matière noire, mais c'est génial. Je vais la ranger là pour l'instant. De toute façon, tu sais quoi en faire après, Basile, hein, on va la dupliquer. Alors. Donc, bah tiens, je te confie la matière noire. Attention. Attention, c'est précieux. Oh, Wow. tu l'as pris tellement doucement, c'était tellement... Bah, bon, va la remettre dans le coffre là-haut. On va en créer plusieurs. Vais la foutre dans le coffre duplicateur, hein. Ouais, et tu peux déjà consumer le diamant qui est dedans. Parce que on en a déjà un exemplaire. Voilà. Eh Donc ben, ça va ça donne mettre. rien du tout. Ouais, ça va mettre 1 million d'années. Facilement. Hop, je vais monter. Eh ben non, je vais descendre. J'arrête pas d'oublier. J'ai envie de bouger tout le temps, mais en fait, pour fabriquer, il faut rester devant la table à vie, quoi. Voilà. Et on a notre dernier relais de matière noire. D'antimatière. Pas de matière noire. Voilà. Relais d'antimatière. À placer ici. Et voilà. Donc là, normalement, il reçoit 2 fois plus. Ouais, il reçoit 2 fois plus. Où tu vois ça, Parfait. toi? Ça se voit en dessous. Ça va 2 fois plus vite. Mais pourquoi? Ben parce que j'ai mis 2 relais de plus. T'as pas vu? Il y en a 4 au lieu de 2 Ah ouais, c'est vrai. là. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Il en faut quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah putain. Ah bah il en faut plein, il en faut plein. De toute façon Il on en n'a faut 8. pas. Il en faut 8. Il en faut 13 de plus. D'accord. Ah mais c'est vrai qu'il y a des minerais. Ouais, t'as raison. Faudrait peut-être mieux les miner, les. Enfin les faire fondre les minerais. Ouais, attends, il en faut 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8, 9, 10. Non, il en faut 8, tellement de plus. Mais tu vas faire ça en forme de pyramide ou en forme de plat? Je ne sais pas encore, en forme de pyramide par logique. Ah, donc tu vas devoir casser cela. Ouais.
Ouh, la vitesse. Il va de plus en plus vite le macérateur rotatif. Ouais, en fait, à la fin, il y en aura 13. Quoi. Tiens, d'ailleurs, j'étais en train d'y penser. Si on pouvait augmenter la vitesse des machines, ce serait pas mal, non? Ouais. Alors, et pour ça, il nous faudrait de l'étain. De l'étain, on n'en a pas beaucoup maintenant. Il nous en faudrait 4, en fait. Hop. Hop. Voilà. Ça fait l'illusion. On va attendre un peu et normalement, on en aura assez pour nous créer des petites capsules. T'en as pas pris? Non. On dirait de la coke. Faudrait qu'on fasse ça à une usine de coke. Je pense pas que ce serait très légal même sur Minecraft. Une usine d'étain. De poudre d'étain. Qui veut de la poudre d'étain? La Blue Magic. Qui veut de la Blue Magic? Ah oui, qui veut de la, tu sais, de la Nicolite. C'est de la Blue Magic. La Nicolite. Ouais, la Nicolite, ça pourrait être de la Blue Magic. Tu parles d'une connerie. Et voilà, bon bah c'est parfait, on a les 4. On va pouvoir se créer une petite capsule. Oups. Capsule de quoi déjà? Voilà, c'est des capsules vides, ça s'appelle. Ah, là, oui, je vais t'enfiler la moitié. Elles servent quoi en fait? Bah pour l'instant à rien, mais tu peux les remplir avec tout. Tu peux les remplir avec de l'uranium liquide, avec de l'eau, avec de la lave, avec des tas de conneries, même avec du fuel, même du fuel bio. Que tu crées à partir du charbon, c'est hyper compliqué quand même. Mais pour l'instant, elles vont surtout nous servir à accélérer les machines, on avait dit, c'est bien ça. Hein. Ouais. Donc on va essayer de les remplir d'eau. 1, 2, 3, 4. Ouais, bah de toute façon, on les remplit toutes d'eau. Hein. Voilà. Tu les as toutes remplies? Ouais. Parfait. On n'a plus qu'à retourner dedans. Normalement, si on les compresse, quelque chose dans le genre, on va en obtenir des... Alors attends, je te laisse descendre en bas. Et moi, je vais vérifier pour l'overclock. Tu vois ce que c'est l'overclock? Tu te rappelles, non? Je crois pas, non. C'est cette espèce de petit... c'est un upgrade, c'est un bonus que tu peux rajouter à une de tes machines. Comme celui qui augmente la batterie ou les trucs comme ça. Et ça permet de... Celui-là, l'overclocker, il accélère la vitesse de la machine, tu vois. Ouais. Attends, je les fous, les capsules d'eau, là. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Tu les mets dans l'extracteur. On a un extracteur, non? Vérifie si on en a un. Extracteur, ouais. Bon bah c'est parfait, moi je vais créer des circuits électroniques. Je les fous en bas ou en haut? Tu les mets en haut de l'extracteur. Je crois c'est qu'il va falloir... C'est en train de les extraire là. Ouais ouais, ça va les transformer en... Ça va les glacer je crois. Ah. Ça va les glacer, comme ça ce sera plus frais. Ça permettra à la machine d'aller plus vite sans trop surchauffer. Justement. Ah d'accord, parce que... c'est ça qu'on fout dans les trucs d'uranium. Ouais, ça aussi, ouais, ça permet de refroidir l'uranium pour pas que ton réacteur explose. Exactement. Hop, je vais mettre le cuivre là-dedans, comme ça il sera fait. L'étain, lui, il était fait. Par contre, ils vont vachement. Enfin, ils vont l'enlever à chaque fois, ils peuvent pas se foutre sur eux-mêmes. Ouais, malheureusement, ouais. Je suis obligé de surveiller, quoi. On a des fils? Non, on a un, on a qu'un seul fil. Un seul fil. Alors on va en faire plus. Beaucoup plus. Je dois avoir des fils à nu. Non, j'en ai pas. Voilà. Normalement, si je fais ça. J'en ai 12. Et il m'en faudrait à peu près 18, je pense. C'est histoire d'avoir deux overclockers. Mmh. Donc pour ça, il va me falloir... ça de fil. Oups, j'ai laissé ça dans la table. Encore une fois,
Voilà, on a vraiment beaucoup de fours en pierre. Cuivre, tac, ça, c'est bon. Le cuivre, bah, je le laisse avec moi pour l'instant. Et avec les fils, il va nous falloir aussi du fer raffiné, deux fers raffinés et 12 fils. C'est 3 fils. Ah, il me faudra un fil de plus. Zut. J'imagine que j'ai pas gardé de. J'ai pas gardé de résine jaune. Je suis. Oh non. L'orage. Ouais. Parce qu'il y a que elle qu'on peut. Je sais pas ce qu'elle a, ma souris. Il y a que elle qu'on peut condenser. Malheureusement. Donc je peux au moins en créer un d'overclocker. Il va me falloir plus de redstone. Donc je vais aller en faire là-haut. Hop. Et ce sera bon. On n'a plus que deux et c'est terminé. Hein. Je sais pas pourquoi je suis monté en fait pour en faire. Parce que ça sert un peu à rien. Hop. Oula, j'ai fait un peu trop de redstone. Bon, ça nous en fera, hein, c'est bon. On va pas faire de caca nerveux avec ça. Hop, on remet ça là-dedans. Et normalement, ça devrait être bon. Je me demande si... Est-ce que je peux créer des fils? Non. C'est dommage, c'est bien tenté, mais c'est dommage. Voilà. Je vais te laisser consumer tout ça, mon petit. Voilà, ça aussi. Vas-y, consume. Voilà, c'est bon. Alors attends, je vais rester en AFK pendant quelques secondes. Ouais. Alors, je reprends dans quelques minutes. Ok. Donc moi, je vais continuer. Aïe. Voyons, voyons. On avait dit des circuits électroniques. Donc, pour ces circuits-là, il va nous falloir ça. Ainsi que deux redstone. Et 6 fils. Donc voilà, je laisse le reste du matos ici. Hein, et comme ça, je peux en créer deux tranquillement. Ensuite, il manquera plus qu'à mettre... Hop, on va descendre pour aller le chercher. Normalement, ça devrait être bon. Le temps qu'il a mis. Alors, extracteur. Ouh, ah ben non, il l'a sur lui. Oups, oula. Il y a beaucoup de poussière qui est restée bloquée. Ça, c'est bizarre, ça. Je vais laisser ça là. Ah non, ça fera rien de toute façon. Je vais être obligé d'aller mettre là-dedans. Oups. Bon, ben, c'est pas grave. On va remonter. Basile, est-ce que tu as les capsules congelées, là? Ouais, ouais, elles sont toutes sur moi, ouais. D'accord, tu peux me les amener? Tu m'en as refilé 8. Tu m'en as refilé 8 là ? Des bleus foncés ? Ouais. Bah, je te les avais filés tout à l'heure, ouais. Non, parce que là j'en ai 8 autres. Hein. Bah, c'est normal, non ? Mais elles sont gelées toutes ou seulement la moitié ? Seulement la moitié, tu m'en avais donné. Ben, gèle l'autre moitié. Ok. Voilà, file-moi celles qui sont déjà gelées. Voilà, comme ça on va pouvoir créer notre upgrade. Tu peux toutes me les balancer d'un coup aussi. Non, je peux pas. Ah oui, c'est vrai. Elles peuvent pas se mettre sur elles-mêmes. Bon, bah c'est pas grave. Hop. Je vais rajouter ce qui va rester sur moi ici. Ah, bon sang. Il y en a une devant aussi. Tiens. Prends ça avec toi. Cadeau. T'as plus qu'à le mettre dans le four. S'il y a de la place. Voilà. Hop, quant à moi, je vais faire ça. Et nous créer notre premier overclocker. Voilà, parfait, ça c'est génial. Cet overclocker, c'est une pièce de machine, hein, c'est aussi simple que ça. Donc lui, ça va, je crois qu'il va assez vite. Ce qui va pas assez vite, c'est le four. Voilà. Maintenant, il va aller plus vite, sans laguer, j'espère bien. Mais normalement, il va plus vite, voilà. Ça, ça fait rien du tout. Tu l'as mise dans le comment? Le four, la poussière? La poussière. Oui, je l'ai foutu dans le four, c'est bon. Parfait, c'est rentré en entier? Ouais. Bon, eh ben c'est parfait. J'ai plus qu'à prendre un coffre.
Voilà. Parce qu'à force de faire des allers-retours pour des pièces qu'on a besoin qu'en bas, autant avoir un coffre en bas. Pour pouvoir le faire. Alors. Voilà. On va mettre tout ça là-dedans. Voilà. Comme ça, ce sera fait. Il me reste encore un circuit imprimé sur moi. Et des choses à macérer. Malheureusement, ça macère peut-être pas assez vite. C'est surtout que ça cuit pas assez vite en fait, c'est surtout ça. Ça, on va pouvoir le transformer. Hop, donne-moi ça. Voilà. Ça, on s'en fiche. On va le mettre là-dedans. On l'éteint quand même parce que j'ai pas envie que ça l'aspire. Voilà. Et la redstone, on avait dit que. Ah oui, oula, j'ai failli tout détruire. On aurait été obligé d'aller en rechercher. Voilà. Puis on avait dit qu'on la gardait, donc on la garde. Voilà. On va ranger le reste des outils là-dedans. Tac, tac. Et on n'a plus qu'à cramer ça et ce sera bon. Voilà. Faut que je prenne l'habitude de rester en bas. Voilà. Parce qu'on peut tout faire d'ici aussi. Voilà. Bon, ça avance pas de beaucoup, mais bon. C'est déjà ça de fait. En tout cas, voilà, moi, je vais vous dire au prochain épisode, dans lequel on aura, je l'espère, une armure entière en matière noire, mais vu à la vitesse où ça avance, je crois qu'on va devoir plus agrandir notre fleur d'énergie qu'il y a là-haut. Et d'ici là, au prochain épisode, et à bientôt. Allez, ciao!